Salut à tous, c'est Johnny de Photo Vidéo Drone Paro Paysage de la page Facebook et de la chaîne YouTube CCJ Dani. Merci de venir tous me rejoindre pour mes petites aventures avec mes drones, surtout en ce moment avec le Hanafi, car ça fait bientôt, voilà, bientôt 2 semaines, 1 semaine et quelques jours que je l'ai, que je vole avec. Je suis content. Voilà, je le dis, je suis content. Pour le Paro Hanafi, c'est vrai que bon, bah voilà, comme on dit, il fait couler de l'encre. Beaucoup en parlent, en bien, en mauvais, en pas bien, en très bien, enfin bref, on en a dans tous les sens. J'ai eu un petit moment avec Papa Bricole, salut à toi. On a partagé un bon moment ensemble, je ne connais pas la marque DJI et c'est vrai qu'il me l'a fait découvrir et je ne vais pas rester fermé par rapport à cette marque. Je trouve vraiment fabuleux tout ce qu'il propose. Pour le moment, je vous le dis, voilà, ça fait 1 an que je pilote du drone. Je conduis du drone, je suis tombé amoureux du Bebop, je suis tombé amoureux du petit drone, là le Mambo, j'adore Hanafi et je croise les doigts et je prie bon Dieu ou tout ce que vous voulez, je prie pour qu'il aille le plus longtemps possible à ma possession. Pourquoi? Parce que je réalise des belles scènes. Pour moi, hein, pour mon côté, je réalise de belles scènes, je suis pas encore tout à fait tranquillou dans les réglages, c'est normal, ça fait encore qu'une semaine que je l'ai, donc laissez-moi le temps au moins de découvrir cette chose, cette abeille, comme on dirait à tout le monde. Il va très bien, il vole très bien, il réagit très bien, c'est mon ressenti, je m'amuse, je m'éclate avec, voilà, je m'amuse et je m'éclate avec. Par contre, oui, voilà, je le dis, je le fais en tremblant, je le fais en transpirant. Pourquoi? Parce que très fragile, je touche pas ma gimbal, je veux pas lui faire de mouvement avec mes doigts pour le moment, parce que je lui en fais déjà assez en enlevant le capuchon. Et tant qu'il n'est pas vieux ce drone, parce que je le rappelle, il est encore très jeune, tant qu'il n'est pas encore avec sa vieillesse finale, je n'ai pas envie de toucher avec mes doigts. Je préfère avoir le temps, attendre et voir ce qui se passe avec cette gimbal. Elle reste très fragile, comme les bras, comme beaucoup de choses. Voilà, ça fait 1 semaine que je vole. Je sais pas si vous allez le voir sur l'écran, mais à force de déplier les bras, bah je vois que mes câbles, voilà, ils se torsadent. Bon, on en a parlé avec Papa Bricole. Ces petites choses là, comme le moteur, bon, encore une fois, désolé pour la qualité de la vidéo, mais il y a des câbles qui, il y a des filaments qui descendent. Donc du coup, bah, je pense pas que ça joue sur la conduite, mais voilà, j'ai la petite peur du crash, que ça se casse. J'ai la petite peur justement pour ce petit filament de moteur que je vole et puis bah, ça s'enlève ou bah, tout ce qui peut se passer, voilà, bref. Je le redis encore une fois, moi je l'adore. Côté transport, côté balade, randonnée et vacances en ce moment, pour certains, vous allez vous éclater. Faites vraiment attention à votre GPS, volez aux endroits où il faut voler, faites attention à tout ça. Mais vous allez vraiment vous amuser, vous éclater avec, quoi. Bah, c'est mon ressenti. Je m'amuse vraiment, voilà. Après, c'est encore une fois de la manipulation, de faire vraiment attention. Vous dépliez les bras, vous dépliez cette attache, vous enlevez votre capuchon, vous nettoyez votre drone avec un petit coton-tige. Il faut vraiment, voilà, faire attention. Faire attention là, vous démarrez. C'est vrai que bon, il fait le, il peut s'envoler de la main, c'est très bien. Sauf qu'il faut faire attention aussi là où vous voulez le faire atterrir. Imaginez que ça se passe mal par rapport à votre atterrissage sur la main. Si vous êtes en dessous, bah, par exemple du blé, vous loupez l'atterrissage sur la main, il tombe sur le blé. Bref, il y aura des catastrophes. Pourquoi? Parce que bah, ça reste quand même assez fragile. Mais ça reste fragile comme tous les drones, comme toute chose. Voilà, c'est mon point. Ma vidéo peut plaire, peut pas plaire, c'est pas grave, tant pis, moi c'est mon ressenti, j'ai envie de continuer avec cette marque, avec la marque Parrot, et je croise les doigts que bah, pour le moment, que ça continue comme ça, parce que pour le moment, tout va bien. À faire attention à toutes ces petites choses qu'on a dites, redites, je vais pas m'éterniser avec mes petites vidéos à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vais pas m'éterniser sur mes vidéos pour dire fragile, 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 fragile et encore fragile, attention, etc. Voilà, il faut bien savoir le conduire, le piloter, il faut bien savoir tout ça et du coup tout peut bien se passer, je fais vraiment attention, voilà. Je vais refaire 2-3 petits plans, voilà, donc pour alimenter
commenter cette fin de vidéo. Merci encore à tous de venir de me rejoindre. Merci à tous pour ceux qui sont déjà sur mes chaînes et pages de toujours continuer à aimer, à commenter, etc. Et à partager ce que je fais, ça fait vraiment plaisir. Mon but de partager tout ça, c'est le but de partager mes petites aventures, paysages, donc ça plaise pas, voilà, tout simplement si ça plaît, vous restez vers moi, vous continuez ce que vous faites, si ça plaît pas, vous mettez pas le petit pouce bleu, vous vous abonnez pas, vous suivez pas, et puis tout revient dans son ordre, voilà, et puis voilà, ça c'est pas grave du tout, voilà. Allez, c'est parti, je vais me préparer et on va aller s'envoler, voilà, allez, à tout de suite. Encore une fois, je suis encore une fois pas bien content de ce petit drone. Voilà, tout simplement que pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaitent se l'acquérir, mon conseil c'est attendez un petit peu, ou alors si vous voulez sauter le pas tout de suite, faites-le. Mais si vous l'avez fait, faites vraiment attention à la manipulation. Faites attention à tout, car ce joli drone reste... on va arrêter le terme de fragile, mais reste, allez, je suis chiant, mais reste fragile. Donc tout ira bien si vous respectez toutes les règles dites par Paro. C'est compliqué hein, de faire une vidéo, c'est très chiant même. Et prochainement, dès que j'ai le temps, je sors le Bebop, je sortirai le Hanafi, je les ferai décoller, je vous ferai une présentation du Bebop par rapport au Hanafi.
voir les différences, il y en a quand même assez beaucoup. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée, et en même temps de ça, il y aura un petit montage vidéo à la clé, entre vidéo et Bebop et la vidéo du Hanafi, un petit montage, etc. Voilà. Merci à tous, encore une fois, ciao, à bientôt, salut.